opiniâtre à Talente. Première à frapper et première à agir. Opiniâtre à Talente. Première à frapper et première à agir. Te souviens-tu, ô Zeus, que la flèche d'Atalante fut la première à transpercer la peau du sanglier de Calydon? Son histoire est un bel exemple de persévérance. Rends-toi compte, elle avait été abandonnée dans les bois et éduquée par des ours. Tout ça parce que c'était une fille. Les dieux, et moi le premier, ne feraient jamais une chose pareille. Tu peux demander à Athéna. Je le ferai si je réussis à placer un mot. Confiant Achille, le fleuve Styx te protégeait de tous tes ennemis. Mais hélas, pas entièrement. Pendant la guerre de Troie, la fureur d'Achille ravagea les forces troyennes, jusqu'à ce que son talon entraîne sa chute. Ah, pour un mortel, il savait y faire, hein. Sans pitié, le gars. Mais il savait être tendre aussi.
on sentait qu'on pouvait lui ouvrir son cœur. Zeus? Bon, ce n'était pas un dieu, mais il y avait du niveau. Non, le bonhomme était fortiche. D'accord. Durant la guerre, Achille eut une dispute avec le roi Agamemnon. Ah mais ça, je m'en souviens. Même qu'il a arrêté de se battre pour les Grecs. Ce qui eut des conséquences désastreuses. Ainsi, il ne faut pas négliger le libre arbitre des mortels. Thank you.
Son orgueil avait condamné Achille. Et bien avant que cette flèche ne lui transperce le talon, Prométhée. Mais on se souvient de son courage et de sa résolution. Après avoir étudié deux des héros, Phénix avait la tête emplie de leurs récits. Elle se retrouva à admirer la statue d'Achille. Il y a de quoi, non? Regarde-le. Salut, Achille. Tu as dû en apprendre des choses pendant tes aventures, non? Ou alors, tu n'as jamais eu besoin d'apprendre quoi que ce soit. Peut-être que les gens comme toi et mon frère devinent toujours tout. Quelle importance si c'est dur après tout. Tu n'étais pas parfait et quand on voit ce que tu as accompli, et j'ai Athéna pour me guider. Merci mon grand. Ça m'a fait du bien de discuter avec toi. Et pense à protéger ce talon, hein? Je suis la vérité sans fin. La renaissance de ton monde. Avisé Ulysse, tu as berné une nation, courroucé le dieu de la mer et conquis à nouveau le cœur de ton amour. Ah,
Alors que les Grecs avaient perdu tout espoir de remporter la guerre contre Troie, la sagesse d'Athéna inspira Ulysse. Ulysse s'était résolu à regagner son foyer coûte que coûte. Le voyage fut éprouvant, mais il rentra chez lui. Pour un mortel, il s'en est bien sorti. Je le reconnais. Là, je dis chapeau. Au retour d'Ulysse à Ithaque, sa maison était remplie de prétendants.